chaque année, nous avons organisé la fête du club, hein, donc du Poney Club de la Charnie, situé à côté de Loué dans la Sarthe. Le but de cette petite fête de fin d'année, c'est de réunir un petit peu tous les cavaliers et toutes les familles qui fréquentent le club à l'année et d'organiser des petites démonstrations, des petits spectacles, des jeux pour les enfants. Donc cette année, on a en plus réussi à avoir des professionnels du spectacle équestre. Donc ils sont venus gracieusement pour faire plaisir à nos cavaliers. Donc c'était vraiment un gros plus et on a été ravis de les avoir. Donc c'est le spectacle de l'insolite à côté de la flèche. On verra après. Le Poney Club, il existe depuis 4 ans. Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans, 5 ans pour des petites balades, des initiations. Nous avons pas mal d'adolescents également qui montent depuis maintenant quelques années. Et également des adultes en semaine. Hein. Donc on n'est pas simplement Poney Club, on est quand même. On s'adresse à un public assez large. Notre petite activité qui consiste à héberger des chevaux en pension. Les adultes qui ont commencé au club sont maintenant équipés en chevaux et on les fait monter dans la semaine essentiellement. On accompagne aussi de plus en plus des enfants qui veulent sortir en concours, hein, donc en compétition essentiellement de sauts d'obstacles. Nous avons en tout 55 animaux, hein, donc une vingtaine de poneys Shetland et taille un petit peu supérieure, une cavalerie pareil d'une vingtaine de double poneys, et puis le reste quelques chevaux pour les adultes et les chevaux en pension. Pendant l'année scolaire, c'est des reprises, donc essentiellement les mardis, les mercredis et les samedis, et en semaine pour les adultes. Et des petits stages, bien sûr, pendant les vacances scolaires, hein, donc des stages de l'initiation au passage de galop pour les plus confirmés. Sur place, donc, on a investi l'année dernière dans un manège couvert, hein, qui nous permet de faire monter les cavaliers par tout temps, même comme aujourd'hui, quand le temps est très chaud, on a un peu d'ombre et les chevaux ne sont pas embêtés par les insectes, donc c'est vraiment un outil de travail très intéressant. On a un cadre avec beaucoup d'arbres, de la campagne, pas mal de prairies, donc on a une vingtaine d'hectares pour héberger les chevaux et les poneys. Et puis on a une forêt qu'on peut fréquenter à proximité, à 500 mètres à peu près. Donc ça, pour les sorties, c'est vraiment génial.